Chaque année, à la date du 1er novembre, on célèbre la fête catholique de la Toussaint. L'occasion pour les chrétiens du monde de se souvenir de tous les saints connus et inconnus. Dans la même foulée, honorer la mémoire de tous ceux-là qui nous ont précédés sur le chemin de notre route. C'est au droit de ligne que le premier secrétaire de la Fédération du RDP Pointe-Noire, Hugues Makayabalou, en compagnie des camarades et sympathisants du parti, a déposé ce 1er novembre 2024 une jupe de fleurs sur la tombe du président fondateur Jean-Pierre Testartikaya au cimetière du quartier Mboukou dans l'arrondissement Trois-Tite. Un geste plein de symboles et qui marque le respect accordé à cette icône de la scène politique anglaise rappelée à Dieu voilà 16 ans. Nous sommes le 1er novembre 2024 et comme veut la coutume, c'est la journée où il faut honorer nos morts. Et comme on dit, à nos morts, repos éternel. Le poète dit que le véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Nous pouvions, en ce jour, venir lui rendre l'hommage qu'il mérite et qu'il méritera éternellement. En tant que membre de notre parti, en tant que membre du RDPS, en tant que dirigeant local du parti. Nous, avec toute notre troupe, nous avons tenu à être là aujourd'hui pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. En s'inclinant sur la tombe de leur leader politique, la grande famille du RDPS a voulu faire passer un message. Celui de continuer d'entretenir la flamme communicative laissée par feu Jean-Pierre Tissertikaya. Et que le RDPS continue à jouer une bonne partition au niveau de la sphère politique congolaise.